Permettez-moi de dire que c'est vraiment une mauvaise querelle, une querelle tout à fait déplacée. Le Maroc est souverain. Le Maroc, c'est un grand pays africain qui a une grande protection civile. Et s'il pense, et c'est bien normal que d'une manière ou d'une autre, une aide internationale peut être au rendez-vous, la France sera là. Mais On a sinon, des moyens qui sont prêts à partir aujourd'hui? je sais, le président de la République nous a demandé d'y travailler, mais je sais que le Maroc a une grande protection civile et est capable de répondre à ce genre de difficultés tout seul. Il ne faut pas y voir une quelconque raison politique au fait qu'il n'y ait pas de communiqué de presse de la part du gouvernement marocain pour répondre officiellement à l'aide qu'apportait la France. Il faut y voir surtout une question de gestion des besoins d'urgence, de ce que nous pouvons apporter à l'instant T. Je crois que ce n'est pas un moment pour parler diplomatie internationale, c'est un moment simplement pour être prêt à venir aider. On pourra en tirer ensuite des conséquences. Mais vous savez, le peuple français est extrêmement proche du peuple marocain. Le président de la République a échangé à de nombreuses reprises avec le roi du Maroc. J'ai eu moi-même mon homologue encore longuement hier. Tous les contacts sont pris à tous les niveaux. Non, mettons ça de côté. Des gens souffrent, des gens ont besoin d'aide. Nous sommes tous prêts à répondre. Et il faut ne pas mettre de mauvaises querelles. Le président de la République...